Alors, on va continuer avec notre cas, c'est-à-dire nos deux étudiants qui veulent parler d'eux-mêmes. Eh bien, on a étudiant, étudiant, taliban, taliban. Donc, avant, on a parlé de en arabe, on a trois formes. Deux formes pour le pluriel, à savoir la forme duelle, al-muthanna. Et le pluriel qui est tout simplement Al-Jam. Donc j'efface. J'espère que vous avez déjà vu la part qui précède parce qu'elle est très importante. Parce qu'il faut comprendre que pour deux personnes, on utilise en arabe la forme duelle. Donc ici, on a juste deux personnes. Donc on a juste deux personnes. Donc forme duel, à savoir, donc en arabe on dit pour le duel, donc je vais dire le duel, on a al-muthanna. Et je le répète toujours, quand je vous dis le duel, je dis al-muthanna à l Moussana, Al-Moussana. Quand je supprime ce le, ça va devenir Moussana. Donc, revenons à nos deux étudiants. Alors, ça, il s'agit de deux personnes. Deux personnes qui veulent parler d'eux. Ils veulent parler d'eux. Eh bien, attention, ici j'ai Taliboun plus Taliboun. En arabe, si vous avez Taliboun plus Taliboun, c'est-à-dire vous avez Talibani. Talibani. Bani, c'en est deux. Donc la forme duelle de Taliboun, c'est Talibani. Bien, vous avez ça. Est-ce que vous avez cheval? Le pluriel de cheval, n'est-ce pas chevaux? Le pluriel de cheval. Alors ne me dites pas que ça, c'est étrange. Donc, le duel de Taliboun, c'est Talibani. Alors, ces deux étudiants, ils marchent et soudainement tu le vois. Par exemple, toi, tu vois ces deux étudiants et puis tu les vois comme ça. Eh bien, ils vont venir devant toi, les deux, et ils vont vous dire, nous sommes des étudiants. Oui, ils peuvent dire cela. Donc en arabe, ils vont dire nahnu talibani, c'est-à-dire nous deux, nous sommes des étudiants. Donc ils vont vous dire talibani. Alors, ils vont nous dire nahnu. Non. Non. Donc, nous, talibani. Alors, je vais dresser notre gentil tableau, comme toujours, qui possède trois, donc notre matrice, par exemple, entre parenthèses, bon, c'est un tableau qui possède trois lignes et trois colonnes. Donc, Ad-Damir, Dalalatuh, Dalalatuh, c'est-à-dire il indique quoi. Et ici, Nawuhu,
Alors, Ad-Damir ici, c'est Nahnu. Dalalatuhu, il indique qui? Eh bien, il indique ces deux étudiants. Dalalatuhu, c'est ces deux étudiants, c'est Taliban. Talibani. Naw'uh. Eh bien, Damir, al-Mutakallim, parce que ces deux étudiants, ils parlent d'eux-mêmes et ils ne parlent pas d'une autre personne, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, Damir, al-Mutakallim, parler d'eux-mêmes. Damir, al-Mutakallim. Donc, on va dire, ça, c'est Damiro. Al-Mutakallim. Voilà. Et puis, ici, on a parlé de la forme duelle. Donc, ça s'utilise pour qui? Voyez-vous bien que ce sont deux étudiants. Ce ne sont pas des étudiantes, mais ce sont deux étudiants. Donc, ils sont des bon, c'est masculin, donc. Et ce nahnu, c'est muthanna. Donc ça s'utilise pour. Ça s'utilise pour al-muthanna. Donc le pour en arabe, c'est li. Donc ça s'utilise lil-muthanna, al-mudhakkar. Donc je fais d'une seule pierre. Deux, bon, je ne vais pas dire deux oiseaux parce que pourquoi je vais tuer deux oiseaux avec deux pierres? Bon, je vais faire d'une seule pierre deux ondes, par exemple, je jette une ou plusieurs ondes, par exemple, je jette une pierre dans le lac, par exemple, et puis il y en a création d'ondes. Je vais pas tuer des oiseaux, donc je vais pas. Faire d'une pierre deux oiseaux. Non, 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 jamais. Pourquoi tuer des oiseaux? Ça, c'est pas bien. Donc, l'il-muthanna al-mudhakkar. Alors, talibani, c'est quoi? Ça, c'est muthanna mudhakkar. Muthanna mudhakkar. Eh bien, s'il vous plaît, une chose, je vais. Eh bien, je vais. Vous rappelez ce li, ça sert à quoi? Donc, j'ai dit que ce nahnu, ça s'utilise pour. Ça s'utilise. Donc, je vais vous l'écrire. J'ai dit que ça s'utilise pour. Donc, pour. Lisez dans ce sens. Pour. Ce pour, lisez-là comme ça. Mais, ne dites pas roup, mais dites pour. Essayez de les lire dans ce sens. Mais. Localement, essayez de lire pour de son sens-là et continuez comme ça, ok? Donc, pour Al-Muthanna, alors Al-Muthanna, Al-Mudhakkar. Alors, je vais prendre ce pour et la transformer en langue arabe. Si on la transforme en langue arabe, ça devient Lil-Muthanna, Al-Mudhakkar. Donc, je vais vous dire maintenant, ça s'utilise Lil-Muthanna, Al-Mudhakkar. Yani en arabe, donc si je dis ça en arabe, je dois dire tustamalu lil muthanna al mudhakkar al mudhakkar. Za, c'est pas al mudhakkar mais al mudhakkar. Donc ça s'utilise lil muthanna al mudhakkar. Tustamalu lil muthanna al mudhakkar al mudhakkar. Talibani, c'est muthanna mudhakkar. ضمير المتكلم دونك سو نحن تدل على ماذا تدل على المتكلم il faut comprendre quand je vous dis que تدل على المتكلم quand je parle de تدل c'est-à-dire elle indique qui en effet ce نحن va indiquer les étudiants. Ce sont les étudiants qui parlent. C'est pour cette raison que je dis que tadullu ala al-mutakallim, celui qui parle.
C'est celui qui parle, c'est celui qui parle, ce nahnu. Donc, tadullu ala, ces deux étudiants qui sont ceux qui parlent en toute simplicité. Donc là, on a parlé de deux étudiants. Là, soudainement, deux étudiantes apparaissent. Qu'est-ce qui va se produire?